Bonjour! On a fait un reportage aujourd'hui, on s'en avec Dark Plumo. Non, là c'est Yo Plumo. Ok, d'accord! On voit que vous avez encore changé de style. Est-ce que vous faites ça à chaque fois que vous venez ici? Oui, parce que ça me formatise. D'accord. Ok, là ça me fait... Est-ce que vous avez encore changé de style de musique? Ben, regarde. Yo, man. D'accord, effectivement. Est-ce que vous pourrez me chanter une chanson plus tard dans l'émission? Sûrement. Ok, c'est bien. J'ai entendu parler que vous avez parti une nouvelle ligue de vêtements encore. Comment s'appelle-t-elle? Yo, gangsta shit. Ah, d'accord. Et quoi qu'on prend cette ligue de vêtements? Lin. Yo. C'est le sport de lin, justement? Like this. Ok, c'est bien. On voit que vous changez souvent de style. Est-ce que c'est pour avoir une plus grosse majorité de femmes? Ou c'est juste parce que vous voulez changer de style comme ça? Tellement, bitch. Ok. D'accord. On enchaîne avec la prochaine question du public. J'ai une question du public, c'est qui nous vient de Ramirez, de Montréal. Quand il change son nom, c'est lui. Ok, d'accord, il veut savoir, est-ce que vous allez prendre des douches bientôt? J'en prends. Ben là, c'est parce que yo, moi j'en prends des douches, gros. D'accord! Marteau, c'est lui. Je vous rappelle que c'est une question du public. Ben la vie pour le public, c'est lui. Yo! Gangster. On va prendre une autre question du public. Vient de Rosie, de Québec. C'est ça. Elle veut savoir, est-ce que votre vie de couple va bien? Sûrement, un gros. Vous avez un copain? Oui. Ça s'appelle comment? Chucky. Il a quel âge? 22 ans. Et vous avez quel âge déjà? 42. Yo. Demain. Est-ce que je veux savoir si vous êtes encore raciste? Mais hein, gros aussi. T'es raciste contre qui, là? On disait des mots par rapport, là. Je vous rappelle que il y a moins d'un an, vous étiez des mots, vous aussi. Ben là, c'est parce que gros aussi, tu disais avec des mots encore. Non. T'as l'air dans quelqu'un. Quoi? J'ai dit, est-ce que t'as l'air dans quelqu'un? Yo. D'accord, on se fait ça maintenant! Encore une chienne! Ça fait ça, ça va aller vite! Ça. Yo dans ma piscine avec mes friends. Et je fais mon Batman, yo! Dans ma piscine avec mon bat et mes friends. Man, fuck off, esti. Vive le Québec, man, yo! Vive le Québec! C'est tout. D'accord, merci. J'ai entendu parler que maintenant, vous êtes engagé envers les vieux. Les personnes âgées, oui. Répète, le gros. J'ai entendu parler que vous êtes engagé envers les personnes âgées, maintenant. Ouais, j'ai décidé de... des trucs. C'est pas ça que j'ai entendu, moi! Ah ouais, qu'est-ce que t'as entendu, là, c'est ça? Que vous alliez dans des centres de personnes âgées et que vous les massiez d'un pied et leur faisiez prendre un bain. Pourquoi fais-tu que j'attire une bain pour raconter à tout le monde? D'accord. Bien, cette rumeur n'était pas vraie, merci. On va passer à une autre question du public. Elle vient de Maggie de Weber. C'est ça, man. Et elle veut savoir pourquoi que vous changez toujours de style. Reste à l'éditeur, comme, t'écoutes pas l'émission, à la télévision. Merci. Est-ce que vous avez encore votre rat, qui a pas de nom parce qu'il est pas beau? Non, pas quoi, merci, man, l'écriture d'un don. Et qu'est-ce que vous avez comme animal maintenant? Tokyo! C'était pas votre chat?
Effectivement. On a le droit d'être copain-copain. Copain-copine. C'est ça que je dis, Colin, ceci. Yo. D'accord? Est-ce que tu vas en d'autres tabarnak? J'ai enlevé le. Effectivement, parce que j'ai chaud. Colin. Est-ce que vous êtes dans une gang de rue? Ça va être même ma chassée, psychiatre. D'accord. C'est ce qui m'a fait à la fin de nous aujourd'hui. Merci, au revoir.